aller en maison de retraite si c'était possible. Et un jour, j'ai découvert là. Et donc ça, ça a été pour moi quelque chose de fabuleux parce que il y a toutes les générations, il y a beaucoup de nationalités différentes. Donc, même si je suis la doyenne, je ne me sens pas être vieille ici. Tu me rappelles plus, c'est un cerisier, ça ? Ah. Non, le cerisier est derrière, là-bas. Ah. Moi, je trouve que c'est un endroit, un espace vert, où on partage beaucoup de choses. On peut partager nos avis. Avec les températures actuelles, ce qui est en train de tomber, il faut attendre un tout petit peu que les gels soient terminés. L'intérêt de notre habitat participatif, c'est qu'on a beaucoup d'espaces en commun. On a une maison commune qu'on appelle la Casa Nous. L'atelier est commun où on peut tous bricoler, aller se faire aider pour faire du bricolage, se faire prêter des outils. On a aussi le jardin partagé, un grand jardin partagé. On a également une chambre d'amis qu'on peut occuper dès qu'on en a besoin, avec une réservation. On a une buanderie et un séchoir. Alors, à l'intérieur de notre habitat participatif, nous avons un habitat inclusif, donc une colocation de traumatisés crâniens, l'association LAFTC, qui sont des personnes qui sont assez autonomes, mais pas complètement autonomes pour être laissées seules dans un logement classique. J'apprends. Enfin, je réapprends. Eh ben, c'est bien. Avec Christiane. Fait d'être géographiquement placé à côté d'un centre-ville, ça nous permet à la fois d'allier le pratique d'être en ville et d'avoir bénéficié d'un jardin qu'on ne pourrait pas avoir à titre personnel. Le chauffage du bâtiment est un chauffage au bois qui est assuré par la livraison de plaquettes locales qui nous sont livrées en camion et qui sont acheminées à une chaudière bois. Moi, ce que j'aime bien dans l'habitat participatif, c'est quand même la rencontre de personnes, la solidarité, la découverte de gens qu'on n'a pas l'habitude obligatoirement de côtoyer. On trouve d'énormes qualités, une énorme solidarité. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça nous fait agir de façon très intéressante.